pète. Arc! Tu l'as senti, hein? Oui! C'est qui? Arc! Ça sent la grosse merde! Arc, esti! Oh mon dieu! Sérieux? Je te jure, man! Tabarnak! What the fuck? Arrête de boire de l'eau! On a l'air de des buveuses d'eau! Je veux pas qu'on ait l'air de des buveuses d'eau! Ok. Oh! Ah! My god! Fait que dans la pièce ça pue, mais pour chez vous ça pue pas. Je leur souhaite en tout cas. Imagine si chez eux ça pue aussi, pis ils sont comme, ben Chris, chez nous aussi. Ils étaient destinés à écouter cette vidéo. Clairement. Okay. Fait que là, je suis avec ces deux filles-là que vous êtes tarées de voir ce machin, je sais. Mais pas grave! Pas grave! Parce qu'on s'aime trop, là. Parce qu'on s'aime. Ok, voilà. On a bouqué le voyage. On vous fait chier, hein? On s'en fout! Puis là, on va jouer à un jeu qu'on a vu sur la chaîne à Marina et Théo. Ça s'appelle Mad Lib. C'est-à-dire, il va avoir un texte bizarre. Puis dans les textes, il y a des trous. Puis là, dans le fond, je vais leur dire, donnez-moi un nom! Donnez-moi un adverbe! Donnez-moi un déterminant! Pour remplir les trous. Hey, je mets plus dans le cadre! Mais voyons, t'es genre! Oh my god! Ben non! Là, t'es dans le cadre, hein? Je suis dans le cadre, mais faut que je me de même. Fait que là, on va jouer. Êtes-vous prête? Ouais. Casse un verre. Casse un verre. Dormir. Partie du corps. Fesse. Un nom de verbe. Rire. Toilette. Se deviser. Énorme. Lisse. Des mains. Poilu. Ouais. Les doigts. Aimer. Le tibia. Pincer. Clémentine. Rapidement. Gifler. Cédric Lemieux. Rebondir. Pilule. C'est un extrait de 50 Shades of Grey. Mm-hmm. Vous êtes prêtes? Mm-hmm. Ok. Il dort. Bas dans mon cul. Pendant qu'il rit de mes toilettes intérieures. Les séparant doucement. Ne bouge pas, dit-il, ou je vais la mettre dans ton cul. Je soupire en regardant son énorme pénis lisse. Il met ses doigts autour de moi alors qu'il liche mon tibia. Il pince son nez pour aller directement dans ma clémentine. En respirant rapidement. Oh mon dieu, dis-je en me giflant. Cédric Lemieux, s'il te plaît, saute-moi. Arc, tabarnak, on dirait qu'il y a un pisseur. Ça m'écoeure. Cédric Lemieux, s'il te plaît, saute-moi. Dis-je en suppliant pour qu'il m'offre des pilules. Moi qui bave sur tout le monde. Je suis juste un serviette, esti. La grosse femme enceinte. La grosse femme enceinte, toi, chaude. Et ta voix, bébé Noémie. Je suis enceinte, scandale. Peut-être la mère qui marie le parrain. Ah, t'es enceinte de biscuits et du burrito et chose. C'est cool. Je me suis fait enfanter. Un biscuit et du burrito m'a pénétré le vagin. Bonsoir. Ça va? Elle s'en va où, elle, là? Fait que nommez-moi un nombre. Deux. Un nom. Vibrateur. Un animal au pluriel. Un loup. Avec des animaux. Lubrifiant. Mordre. Plante. Piétiner. Blanquement. Lentement. Vache. Mastiquer. Soupçonner. Quoi? Soupçonner. Ah, soupçonner. Le lapin. Hoc. Un gâteau. Susciter. Mais non, t'as marre. C'est quoi? Ça! Susciter. Jamais entendu ça. Dire un verbe qu'on connaît. Je te suscite à l'oreille de dire un verbe qu'on connaît, tabarnak. C'est quoi? Venir. Un éléphant. Grenouille. Berge. Walmart. Forte. Saucisse. Jus de poulet. Gonfler. Poutine. S'asseoir.
Non, mais l'histoire s'intitule... Ma première fois fut terrible. Nous étions tous les deux. Ma mère m'a conduit à son bureau. Ok, non, je pensais que c'était tous les deux, toi, ta mère. T'es toujours bon que ta première fois, ça fait comment? Ma mère m'a conduit à son vibrateur. Les loups étaient hors de la ville et ma mère en avait aucune idée. Les choses ont évolué et tout à coup, nous étions pleins de lubrifiants avec de la musique. Nous en sommes arrivés au point où nous nous mordions, alors nous l'avons fait. Lorsque nous avons aperçu une plante, nous l'avons piétinée. Non pas une fois, mais deux, et lentement. Ma première pensée a été « Oh mon Dieu, c'est ma vache. » Nous commençons à mordre. Sérieux, aidez-moi, là, quelqu'un, là. Nous commençons à mâcher nos vêtements. Je vois au loin un groupe de lapins qui veulent nous inviter à manger un coffre. Retournant à la maison, je me suis trempée dans du bouillon de poulet dans la cuisine alors qu'elle me suçait hystériquement. Nous avons ensuite aperçu un capuchon de préservatif dans la poutine qui traînait. Fin de l'histoire. Je suis plus capable. Moi, je suis capable pour elle. Ah, c'était quand même une bonne histoire. Un capuchon de préservatif dans la poutine. Je te crois. Ah, bon, ben, crime, mais plaisir, plaisir, à chaque plaisir, plaisir. Pardon? Plaisir. Ok. Bon, ben, bye. 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 Joyeux Noël. Ah oui, on veut conclure en vous souhaitant un joyeux Noël. Joyeux Noël, joyeux Noël. Qu'est-ce que tu souhaites aux amis, Marie? J'espère que vous allez être bien baisés. Ah, c'est le premier déjeuner heureux. Moi, j'espère que vous allez apprendre à bien faire une fellation. Moi, j'espère que vous allez apprendre à bien vous faire fellationner. Mais que de beaux souhaits. Vraiment. Hey, des beaux souhaits de Noël, toutes les choses. Vraiment. Puis tout en ça, famille. Avec votre famille! Bye! Bye! Nos vœux de Noël, de sexe en famille. C'est un petit peu dégueulasse. Ah, mon père sent vraiment charogne. Ah, j'étais carré pour elle. Ah, ça sent le vieux Chris! Ah! Dreaming of a white Christmas.